le début, très cultivée, intelligente et même brillante, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par ses maîtres et son enseignante. Prête au comprend sa condition de garce, de pute, de femme objet, se bat contre les institutions, celle des machos, pas du progrès, époustouflée par 68, ça c'est une vraie révolution. Une révolution féministe, celle du mariage piège à con. Arrivée à la fac, elle est toujours meilleure, toujours devant. Elle trace sa route à coups de piolet malgré l'opposition de ses parents. Tu seras comme moi, lui dit sa mère. Une bonne épouse, mère au foyer, on en a besoin, ajoute son père. Les hommes savent pas faire à manger, des hommes elle en a quelquefois, pas très longtemps, pas trop souvent. C'est bien sûr pas qu'elle ne les aime pas, eux sont cons comme rentemplant. Puis un jour elle a fini par trouver son prince charmant. Elle qu'aimait pas la galanterie, elle a peur qu'il la laisse en plan. Plus tard, c'est son mari. Enceinte, elle prépare un rôti. Elle attend son troisième enfant. La table est mise par sa fille. J'aurais voulu, j'aurais aimé vivre la vie de cette fille pour comprendre ce qui s'est passé, pour qu'elle change à ce point d'avis. Mesdemoiselles et gentes dames, le combat n'est pas terminé. Mais ce n'est pas un combat de femmes, juste celui de l'égalité. Juste celui de l'égalité. Révolution, mon amour, toi qui es communiste, mitterrandiste, marxiste, léniniste, guévariste, anarchiste ou bien trotskiste, industriel, national, informatique, technologique, socialiste, 68, art, crypto, gauchiste, capitaliste, économique, financière, saint-déniste, révolutionnaire. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une révolte. Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Est-ce une révolution? Non, c'est juste une révolte. Révolution, mon amour, combien de temps doit-on...